Bonjour mesdames et messieurs, ici Paul Cunningham qui vous parle du quartier général de l'opération Capricorne 1. Il est 6h03, heure d'été, zone Est. Nous sommes à H-32:21 exactement. Pour faciliter les transmissions des informations, nous ferons précéder chaque annonce d'un top sonore de 5 secondes suivi d'une pause d'une seconde. Tous ceux qui n'ont pas de documentation peuvent s'en procurer une au bureau de renseignement volant. En ce moment même, tous les systèmes sont go, tous les voyants sont verts. Nous allons résumer pour vous cette matinée. À H-8h05, l'aire de lancement était évacuée et nous avons commencé à charger le carburant dans la fusée porteuse. À H-4h30, le colonel Charles Brubaker, commandant du vol, le lieutenant-colonel Peter Willis et le commandant John Walker ont été réveillés par le docteur Roger Bureau, médecin du vol. Ils ont subi un dernier examen et étaient déclarés aptes tous les trois. L'équipage a pris ensuite un petit déjeuner composé d'un demi-pamplemousse, un beefsteak de 250 grammes, 300 grammes de jus d'orange, deux œufs avec des toasts. L'équipage est maintenant dans la rampe d'accès et il se prépare à entrer dans le vaisseau spatial. Nous sommes à H-30, ici la salle de contrôle de Capricorne. Bonjour messieurs. Bonjour Horace. Serions-nous en retard? Ils ont goûté leur sport tout ce matin. Bravo, je vois que vous avez le moral. A-t-on déjà fait les tests, DS? Ah, ils sont presque terminés. Nous installons? Dans une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas très fort pour ce genre de choses. Je vous connais, surtout le colonel Brubaker, ouais, depuis quelque temps. J'ai passé toute une partie de ma vie à préparer ce vol. Je tenais à ce que vous sachiez que ce matin, je sens que tout ce à quoi je me suis consacré prend sa signification et je suis très fier. Fier de ce programme. Fier de la modeste contribution que j'y ai apportée. Et fier de vous. Je serai content de vous donner cette Bible pour le vol. Et recevez-la de ma part et de la part de nous tous. Horace, je ne sais pas quoi te dire. Eh bien, essaie de ne rien dire pour changer. Horace, merci. Nous sommes très touchés et heureux d'emporter. Messieurs, cette fois, en route pour Mars. Ici Paul Cunningham, QG de l'opération Capricorne. Nous sommes à H-21. Les épouses des astronautes seront ramenées à Houston après le lancement par l'avion de liaison avec le Cap. Bonjour, sénateur Picker. Nous avons réservé trois des meilleures places pour vous et le général Anders à côté du vice-président. Il est déjà là? Non, monsieur. On l'attend d'un moment à l'autre. Ce connard, il pense peut-être qu'on va retarder le lancement pour lui. On aurait dû lui dire que c'est pas l'inauguration d'un pont. J'espère que vous et Madame Picker serez satisfaits. L'agence est heureuse de vous offrir ces jumelles commémoratives, monsieur, afin que vous ne perdiez rien du lancement et en souvenir de ce jour. Ah, c'est une bonne idée, regarde, Émilie. Mm. Tu vois la date et la reproduction de Capricorne en or. Mm. Très jolie, Alice. Je suis heureux qu'elle vous plaise. Il en faut une autre paire pour ma femme. Je vous demande pardon, monsieur. Non, ce n'est pas la peine, Alice, je t'en prie. J'ai dit qu'il en faut une autre paire pour ma femme. Ce n'est pas nécessaire, je t'assure. Tenez, Émilie, voici la mienne, j'en ai pas besoin. Non, je vous remercie, je vois très bien. Excusez-moi, monsieur, mais nous n'en avons qu'une quantité. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Voudriez-vous répéter, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème, monsieur, je vous en apporte une autre paire immédiatement. Vous êtes très aimable, merci. Ici, salle de contrôle Capricorne. Nous sommes à H-15 du compte à rebours. Tous les systèmes sont beaux, tous les voyants sont verts. Le QG a annoncé que le vaisseau spatial est encore sur commande extérieure. Il va passer sur commande intérieure à H-50. Les stations d'observation d'Ascension et de Canaries annoncent une réception 5 sur 5. Le porte-avions qui récupérera le module en cas d'interruption prématurée du vol est le USS Kitty Hawk, qui est actuellement à 350 000 nautiques au sud-est des Bermudes. Ici Capricorne 1, QG. Bonjour, Émilie. Ah, comment allez-vous? Bonjour. Vous êtes bonjour, super. Alice. Bonjour, Alice. Émilie, content de vous voir. Oh, Alice. Ah, comment allez-vous? Très bien, merci, monsieur le vice-président. Comment va le président aujourd'hui? Oh, très bien, merci, Alice. Il m'a demandé de dire combien il était navré de ne pouvoir assister à ce lancement. Il avait malheureusement quelques affaires de la plus grande importance qu'il retenait à Washington. Telles que sa réélection. Monsieur le vice-président, j'espère que vous et Madame Price êtes satisfaits de vos places. L'agence est heureuse de vous offrir ces jumelles commémoratives afin de vous permettre de mieux observer le lancement et d'en garder un souvenir. Merci beaucoup. Merci, ça me fait très plaisir. C'est très joli. Votre nom, mon garçon? Hughes, monsieur. Mark Hughes. Vous apprenez vite. Vous irez loin. Merci, monsieur. H, moins 10 minutes du compte à rebours. Premier étage vert. Deuxième étage vert. Deuxième étage vert. Vérification MTS. Deuxième tableau. Roger, MDS sur deuxième tableau.
Capricorne 1, nous confirmons TARS et NDS. Vert pour les deux. Netco pour le guidage inertiel. Contrôle OMS. Roger Houston. Maintenant, messieurs, nous allons fermer le panneau. Si vous voulez sortir, c'est votre dernière chance. Hé, Horace, Mars, c'est la rouge ou la verte? J'ai oublié. 24 milliards de dollars pour lancer les fous dans l'espace. C'est moins dangereux pour les piétons. Le colonel Brubaker confirme que les tests de contrôle sont terminés. Le QG annonce que tous les systèmes sont go et les voyants verts. Le docteur James Calloway, directeur du programme spatial habité, est à Houston en ce moment même et en contact phonique direct avec l'équipage. Module d'atterrissage 01 fermé. 01 fermeture, OK. Capricorne 1, vous devez être sur pilotage autonome, CM total. Roger Houston, nous sommes sur pilotage autonome. Ultime contrôle de l'état de l'engin. Commencez la vérification. La pression TLR est de 45,2. Roger Houston. Roger Capricorne, enregistré. Vous, voulez-vous me suivre, vous et vos hommes? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Cas d'extrême urgence, venez. Vite, suivez-moi. Vous êtes dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y a un imprévu. Venez, je vous en prie, sortez tout de suite. Ici Paul Cunningham, QG de Capricorne. Les derniers contrôles du vaisseau spatial sont terminés et la passerelle d'accès rétractée dans sa position finale. Les systèmes d'autodestruction sont armés. La pression TLR est de 45,2. Roger Houston, 45,2. L'équipage a terminé les ultimes vérifications du périmètre de sécurité. À H-50 secondes, la fusée de lancement sera sur pilotage autonome et le lancement proprement dit doit commencer. Le temps est beau, nuage d'épars à 10 000 pieds. Tous les systèmes sont go, tous les voyants verts. Nous sommes à H-3 minutes 10 secondes. L'officier de sécurité a donné le go pour la période de mise à feu automatique. De maintenant jusqu'à H-50 secondes, le système est pré-réglé. Le contrôle du premier étage est normal. Nous arrivons à H-1 minute 30 secondes. La dernière série de contrôles de sécurité est terminée. L'officier responsable annonce que tous les paramètres sont sur leur valeur nominale et que nous sommes go. La tour de secours est maintenant activée. En cas d'insuccès, la tour éloignera le module de commande de la fusée porteuse et mettra en route un changement de commande à une altitude de 10 000 pieds. L'équipage annonce que tous les systèmes de guidage et de navigation fonctionnent correctement. L'officier responsable annonce que tous les paramètres sont à leur valeur nominale. Ici, quartier général de Capricorne. C'est le grand objet long et blanc qui est là-bas. Impossible de se tromper. Ici Paul Cunningham, QG Capricorne. Nous sommes à H-1 minute. Tous les systèmes sont go, tous les voyants verts. Le transfert de pilotage devrait s'effectuer maintenant. Roger Houston, ALCS correspond au denier nominal. Roger, capitaine. Nous sommes à H-30 secondes. Tous les systèmes sont go, tous les voyants sont verts. Colonel, nous en avons pour un moment. Vous et vos hommes devriez plutôt mettre ceci pour être plus à l'aise. Nous sommes à H-18 secondes du décollage. H-15 secondes. Moins 10 secondes. 9, 8, mise à feu. 6, 5, fusée extérieure. 3, fusée intérieure. 1, 0. Lancement. Le décollage a eu lieu à 35. Nous sommes partis. Roger, tout se déroule comme prévu. L'engin spatial est sur sa trajectoire. Ça a de la gueule, Capricorne. Nous allons vers H plus 40 secondes. La séparation devrait avoir lieu dans les 30 secondes qui viennent. Arrêt fusée extérieure prévu dans 10 secondes. Fusée coupée, Capricorne. Roger, Houston. Fusée coupée à H plus 2 minutes 29 secondes. Nous sommes go pour la séparation. Vous êtes go pour la séparation, Capricorne. Roger, Houston. 5, 4, 3, 2, 1. Attention à la séparation. Nous enregistrons. La séparation est faite, c'est confirmé. Séparation à H plus 2 minutes 43 secondes. Deuxième étage, mise à feu. Oui, étage 2. Nous avons la mise à feu du second étage. Mise à feu à H plus 2 minutes 46 secondes. Le rayon de départ du vaisseau est de 47 000 nautiques. La vitesse est de 6100 milles à l'heure.
Monsieur le vice-président, je vous prie, présentez mes respects au président. Comptez sur moi, Ulysse, je n'y manquerai pas. J'espère que, quels que soient les problèmes qu'il a jugés assez importants pour ne pas être ici aujourd'hui, j'espère qu'il les résoudra avec succès. Bravo, c'est vraiment sport de votre part, Ulysse. Je suis sûr que le président sera ravi d'apprendre que vous le soutenez dans ses entreprises. Le président jouirait considérablement plus de mon humble appui s'il essayait de se montrer plus coopératif sur ce programme. Alors, Ulysse, vous savez que le président porte un grand intérêt à ce programme. Et je porte un grand intérêt à un tas de choses, y compris au parti de bridge de ma femme. Ça n'a rien à voir avec l'appui qu'on peut donner. Alice, il y a un grand nombre de citoyens américains qui pensent que nous avons des problèmes ici sur la Terre qui méritent qu'on s'y attache avant de dépenser des milliards de dollars pour les conquêtes spatiales. Et un grand nombre d'Américains pensent qu'il n'y a rien de plus pressant que le problème du déclin de notre position en face des Russes. Ravi de vous avoir revu aujourd'hui, Alice. Tout le plaisir a été pour moi, monsieur le vice-président. Ici Paul Cunningham, QG Capricorne. Vous êtes à H plus 2h16. Le vaisseau spatial est maintenant sur orbite elliptique. Apogée 140 000 nautiques, périgée 182 000 nautiques. Le contrôle de la mission annonce que le contact avec l'équipage est parfait. Ici, centre de contrôle Capricorne. Bienvenue, colonel Brubaker. Voulez-vous venir avec nous? Je ne veux aller nulle part tant qu'on ne m'aura pas expliqué ce qui se passe. Soyez tranquille, on va vous l'expliquer. Pas d'histoire, je veux savoir tout de suite. Colonel, je sais ce que tout cela a d'étrange, mais nous travaillons tous dans le même but. Nous ne sommes pas vos ennemis. Bon, alors allons-y. Voulez-vous attendre ici? Messieurs, je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir ici. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur Calloway, content de vous voir. Il se passe de drôles d'aventures dans ce voyage vers Mars. Pourrions peut-être nous asseoir. Ok. Écoutez, je dois commencer par vous dire que s'il y avait eu un autre moyen, s'il y avait eu même la moindre possibilité de prendre une autre décision, je vous assure que j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être ici avec vous. Bro, il y a combien de temps qu'on se connaît? Il y a 16 ans. Rien que ça. 16 ans. Tu aurais dû te voir à l'époque. Tu avais l'air émerveillé en arrivant de ta camp, Bruce. Et moi, fraîchement diplômé et d'un sérieux attendrissant. Je racontais à qui voulait m'écouter mon rêve d'arriver à conquérir la nouvelle frontière. Et tous me regardaient comme si j'étais complètement dingue. Toi, sans hésiter, tu m'as dit oui. Je te revois, m'annonçant que Kay attendait un bébé. Nous sommes sortis, nous avons pris une cuite. Je me rappelle quand Charles est venu au monde, nous avons pris une autre cuite. Tous les deux, fin sous le capitaine terrible et le savant cinglé, discutant sur les moyens d'atteindre les étoiles. Et le barman nous disant, vous avez peut-être assez bu. 16 ans. Alors Armstrong a marché sur la Lune et nous avons pleuré. Nous étions aussi fiers. Willis, c'est à ce moment-là que toi et Walker êtes arrivés, deux gros malins bourrés de talent. Vous m'avez regardé dans ma chemise en nylon de célibataire, en train de vivre mon histoire d'amour avec ma règle à calcul. Et à votre tour, vous avez été pris par nos recherches. Je me rappelle quand Glenn a fait sa première orbite dans Mercury. On avait mis des téléviseurs dans le hall de la gare de Grand Central. Et des dizaines de milliers de braves gens ont manqué leur train pour regarder. Le jour où Apollo 17 a atterri sur la Lune. Bon nombre de téléspectateurs ont téléphoné pour se plaindre parce que le vieux film Les Incorruptibles avait été retardé. Un vieux film, je vous demande un peu. À la rigueur, j'aurais compris si ça avait été une nouvelle version. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que marcher sur la Lune, sinon un vieux film? Oh, Seigneur.
Alors, d'un seul coup, tout le monde a commencé à demander à combien reviennent ces travaux, si ça vaut la peine de dépenser 20 milliards pour aller sur une autre planète. A-t-on oublié le cancer, les taudis, enfin, combien tout cela coûte-t-il? Combien chacun de ces rêves coûte-t-il pour l'amour du ciel? Et depuis quand y a-t-il un comptable pour chiffrer les idées? Vous savez qui assistait au lancement? Pas le président. Le vice-président, c'est tout. Le vice-président et sa rondouillarde petite épouse. Il était occupé, le président. Ce n'est pas exact. Il est juste un peu inquiet. Il y a de cela 2 mois environ, il a mis ses pieds sur le bureau de Woodrow Wilson d'un air là. Et il a dit, Jim, il faut réussir. Le Congrès ne va pas me rater. Il est à l'affût d'une raison pour arrêter le programme. Pas question de subir un autre échec, vous le comprenez. Il faut un succès. Calloway, mes voeux sont avec vous. Tous ses voeux, je vous crois. Je n'ai eu ensuite affaire qu'à son vice-président, ce tartuffe inconsistant. Et voilà où on en est. Après tant de jours d'espoir, tant de rêves et d'efforts, je le revois. Avec la bannière étoilée derrière sa chaise en train de me dire « Pas question d'essuyer un échec, vous comprenez ?» Et que s'est-il passé aujourd'hui? Échec superbe. Un bel échec, un beau gaspillage, made in America, dans toute sa splendeur. En 2 mots, les braves gens de la Conamalgamat ont livré le système de survie, un système bon marché, de façon à faire un bénéfice sur l'affaire. Tout est donc pour le mieux pour tout le monde. La Conamalgamat remplit ses poches, nous avons le système de survie désiré. En somme, tout est parfait. Excepté que la compagnie a réalisé peut-être un peu trop de bénéfices. Nous avons découvert cela voilà 2 mois. Ça ne peut pas tenir. Vous seriez morts tous les 3 au bout de 3 semaines. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus qu'à faire mon rapport et annuler simplement la mission. Alors le Congrès tient enfin un prétexte. Le président reste assis à sa place et nous n'avons plus de programme. Au fond, qu'est-ce que c'est? 16 ans, à peine une goutte de pluie dans la mer. Et ceci termine le discours. Maintenant, nous arrivons au point que l'on nomme la minute de vérité. Accompagnez-moi. Je veux vous montrer quelque chose. Roger, Houston. TMI, temps de combustion sera 5 minutes 45 secondes. Roger, Capricorne. Le temps de combustion du gaz Delta est de 3,3 secondes. Il y a une porte ici, je vais l'ouvrir et nous entrerons dans une autre sphère. Si vous voulez venir, vous comprendrez mieux. J'essaierai de répondre à vos questions. Après quoi? Mais suivez-moi plutôt. Tu n'espères tout de même pas t'en sortir avec ça? Je ne sais pas, c'est une chance à courir. Peut-être pas très solide, mais c'est une chance. Et qui est au courant? Personne, ou presque. Houston transmet les données du véritable vol. Toutes les mesures viennent du module de commande, ainsi que vos voix et les données médicales. Nous avons tout enregistré au cours des différents vols simulés. Cela, il l'ignore. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'assurer les transmissions télévisées pendant le vol et l'atterrissage sur Mars. C'est tout. Juste les transmissions télévisées. Ah, mais c'est tout. Juste les transmissions télévisées. Nous avons inséré un changement dans l'ordinateur de bord, afin que le vaisseau spatial se pose à 200 miles du point de chute prévu quand il reviendra sur la Terre. Un avion vous conduira sur une île proche de ce point. Ensuite, vous trouverez sur place un hélicoptère. L'hélicoptère vous amènera à la capsule spatiale et on vous placera à l'intérieur. Quant à la récupération, il faut compter un minimum d'au moins 1 heure et demie pour atteindre le point d'impact, ce qui vous donnera le temps de vous installer dans la capsule. Quand le premier porte-avions sera sur les lieux, les hommes grenouilles vous trouveront à l'intérieur de l'habitacle et ils vous sortiront du vaisseau spatial. Tu as pensé à tout, Jim? Je ne sais pas, mais je l'espère. Naturellement, tu es sûr qu'on va marcher, hein? Je n'en suis pas sûr. Que fais-tu si c'est non? Je l'ignore. Ne dites pas non. Et à ce moment-là, la speakerine sort pour nous dire qu'on est filmé par la caméra invisible. Oui, Liz, crois-tu que tout ça me plaît? Crois-tu que je réalise vraiment que c'est moi qui organise cette mise en scène démentielle? Moi? Que c'est moi qui vous raconte tous les subterfuges qu'il a fallu employer?
et cette île à 200 miles de la zone prévue. Eh bien non, je ne sais même pas ce que je fais exactement. Mais je tiens si fort à notre travail que je crois que ça en vaut la peine. Je n'en suis pas certain. Je le crois, c'est tout. Et moi, je pense que je vais dégueuler. Bravo, voilà qui résoudra tout. Mais cette comédie est censée servir à quoi? À empêcher de mourir quelque chose qui doit continuer. Avant de commencer à moraliser, faites un retour en arrière. Songez à ce que nous avons fait, à ce que nous avons encore à faire dans cette voie. Songez à ce que nous avons représenté pour notre pays. À présent, personne ne porte plus d'intérêt à quoi que ce soit. Les bonnes gens bouclent leur garage, s'enferment ensuite chez eux, ils se cachent dans leur placard, ils ont peur, ils ont même peur d'allumer leur téléviseur, tellement ils redoutent ce qu'on va leur annoncer aux nouvelles du soir. Il ne reste plus rien maintenant à quoi on puisse croire, et vous voulez faire éclater cette histoire au grand jour? Dieu sait quelle réaction cela pourrait provoquer dans les esprits moyens. Je suis consterné, si totalement consterné que je ne sais pas quoi faire d'autre. J'avance sur un fil pendu par le bout des doigts, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous. Ben allez-y, vous, si vous voulez être de ceux qui donnent une raison de plus à leurs contemporains pour renoncer, pour abdiquer. Allez-y! Ah, c'est vraiment incroyable. On marche dans ta combine, on raconte des histoires grosses comme une maison et ce monde de vérité et d'idéal est protégé. Mais nous ne voulons pas te suivre dans cette mystification du siècle, car d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle aura un effet désastreux pour tout le pays. Tu es bien gentil, Jim, mais pas question. Allons, allons, tu déformes mes paroles. Tu te condamnes toi-même, Jim. Ne condamne pas le programme, bro. Ne le surestime pas trop, je ne suis pas sûr que l'annulation d'un vol ou que des crédits réduits pendant une période signifie la fin de l'Amérique, Jim. C'est pas aussi simple que cela, tu le sais. Oh, je ne le sais pas. Si le seul moyen de conserver en vie quelque chose est que moi je devienne tout ce que je déteste, je ne sais pas si ce quelque chose vaut la peine qu'on le conserve. Voyons, bro. Réfléchis avant de dire ça. Inutile de chercher à me convaincre. Voyons, bro, réfléchis avant de dire ça. Je ne trouve pas que ce soit bien. Tout ça, c'est de la connerie. Tu dois m'aider, bro. Mais pourquoi je dois? Tous les trois, vous devez m'aider. Et si nous refusons? S'il vous plaît, ne me mettez pas au pied du mur. T'es cinglé? Tu le sais? Dis donc, tu sais que t'es cinglé, tu nous as entraîné force dans cette histoire de dingue et on ne doit pas te mettre au pied du mur en plus? Et vos familles? Que viennent faire nos familles là-dedans? Je vous en prie, acceptez de collaborer. Que viennent faire nos familles là-dedans? Vous devez collaborer. Dites-vous que cette affaire me dépasse, les gars. Vous croyez que tout cela a été monté par quelques illuminés? Eh bien non, c'est plus grave. Il y a des hommes importants à l'extérieur, des forces à l'extérieur qui y perdraient trop de plumes. Des gens responsables. C'est une très grosse affaire et elle est entre les mains de gens... Que viennent faire nos femmes là-dedans? Un avion les ramène depuis le Cap jusqu'à Houston. Elles sont toutes les trois dans l'appareil. Non, c'est pas sérieux. Bro, ne m'oblige pas. Salaud, tu vas parler, allez, pas! Elles sont dans cet appareil, toutes les trois, nom de Dieu, il faut peut-être que je te fasse un dessin. Il y a un engin à bord, un engin explosif. Il y a des gens prêts à tout, et si je ne donne pas le signal, ok, ils le font exploser. Maintenant, tu comprends? On ne doit pas en arriver à ces extrémités. Vous devez accepter de collaborer. Tout ça est hors de notre contrôle, ça nous dépasse. Oh, pas toi. Tu ne ferais pas ça. Je n'ai rien à te répondre. Ce café est infect. Non, tu exagères. Non, en vie, il est infect. Eh ben, je ne vois pas. Je passe mon temps à défaire des emballages. Au réveil, je suis obligé d'ôter la cellophane autour du verre à dents et l'emballage au nom de l'hôtel autour du savon. Il y en a aussi autour du papier de toilette d'ailleurs, avec une délicate note de l'hôtel disant qu'ils ont mis cette bande dans le seul but d'assurer ma protection. J'ai toujours peur que si je reste au lit un peu trop longtemps, la femme de chambre entre tout doucement et m'enveloppe avec le sommier dans une bande spéciale. Bon, moi ça m'est égal. Oh, attends. D'ici peu, on ne saura plus dans quelle ville on est. Je défie n'importe qui de me dire quelle différence il y a entre le grand hôtel à Houston et le grand hôtel à Cincinnati. Les chambres sont les mêmes, la musique dans les ascenseurs est la même et certaines dames un peu trop invisées sur les tabourets du bar sont les mêmes. On est incapable de savoir où on est jusqu'à ce qu'on ait lu le journal du matin pendant le petit déjeuner. Moi, ça m'est égal. Tu sais, je crois que je m'intéresserais moins à ce genre de détails si j'avais la chance de les subir avec une personne à laquelle je tienne. Une personne qui me fera oublier. Arrête tes conneries. Est-ce que tu peux être cynique? Je suis pas cynique, mais excuse-moi, ton numéro est un peu usé. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, prends ton histoire avec Lisa Leur, tu sais, en Californie, au primaire. Cette fois-là, tu lui avais dit combien ça rapproche de se trouver témoin ensemble des faits qui font l'histoire. Alors avoue que ça avait plus de gueule que le papier toilette. Tu crois que tout ce que je veux, c'est de sauter, c'est ça? Oui. Tu ne reconnaîtrais pas la sincérité si elle te passait sur le corps? Oh, bah avec toi au volant.
Je suis content de ne pas être comme toi. J'ai de plus jolies jambes. D'accord, je laisse tomber. Tu laisses tomber bien vite, dis donc. Essaye de changer de tactique. Et qu'est-ce qui te plairait, par exemple? Je sais pas, tu pourrais me dire quelque chose comme... J'ai envie de te sauter, mignonne. Tu crois que ça marcherait? Ah, tu aurais plus de chance que si tu m'offres de partager ta vie passionnante. J'ai envie de te sauter, mignonne. Va te faire foutre. Madame Brubaker, on prend bien sa pression. Marche-moi dans l'espace. Je suis désolée que vous soyez restée attendre devant chez moi toute la journée. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sauf bien sûr que je me sens très énervée et très fière surtout. Le vol semble se passer sans difficulté. Le docteur Calloway nous a dit tout à l'heure que Brew et les autres avaient un excellent moral. En quoi cela a-t-il bouleversé votre vie familiale? Ça, c'est une question originale. Faire foutre. Eh bien, les enfants vont continuer à aller à l'école et nous essaierons de mener une vie normale en l'attendant. Je suppose que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci à vous tous d'être venus. J'ai juste voulu vous dire bonjour et maintenant je rentre. Merci encore et au revoir. Docteur Berger? Oui, Elliot? Est-ce que je pourrais vous parler un instant? Oui, qui est-il? Eh bien, je ne sais pas, j'ai un problème. Vous ne vous sentez pas bien? Non, si, si, docteur, c'est la lecture IBM. Que voulez-vous dire par là, Elliot? Eh bien, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Si je peux vous aider, je suis à votre disposition. Oui, je l'espère. Voilà, j'ai fait un contrôle des transmissions pour moi. D'après les signaux... Ah, pour vous? Oui, docteur. Cet intérêt vous honore. D'après la lecture IBM, les signaux de télévision arrivent avant ceux du vaisseau spatial, docteur. On dirait qu'ils sont plus proches, beaucoup plus proches. Oh, c'est impossible. Votre matériel présente sûrement un défaut quelque part. Oh, je ne crois pas, non, docteur Bergen. Je l'ai vérifié deux fois, cette console. De laquelle s'agit-il, Elliot? De la 36. Eh bien, voilà qui explique tout. Nous avons eu déjà quelques problèmes avec le câblage de la 36. Nous avons eu des ennuis plusieurs fois. Je vais la faire réparer. Je vous remercie de m'avoir rappelé ce défaut. Vous prenez des initiatives. J'apprécie beaucoup cela, croyez-vous. Paul Cunningham, QG Capricorne. Nous sommes à H plus 131 jours, 4 heures, 15 minutes de vol et à 5 minutes de l'atterrissage. Les épouses des membres de l'équipage sont arrivées au centre de contrôle à 2h31, heure d'été zone Est. Dans quelques minutes, nous devrons recevoir un signal du vaisseau spatial. Il est important de savoir qu'il faut 21 minutes pour qu'un signal arrive de Mars sur la Terre. Nous n'avons aucun moyen pour communiquer avec Capricorne 1. Et ce que nous verrons s'est passé en réalité 21 minutes plus tôt. Ici QG Capricorne. Annoncerons quelque chose. Nous passons sur une fréquence secondaire. Houston, ici Capricorne 1. La séparation CMLM a été conforme. J'ai le contact visuel par le hublot gauche. Temps de combustion du gaz Delta, 3 secondes 3. 3 secondes 3, combustion correcte. Nous devrions avoir des nouvelles du CM incessamment. Vous allez voir. Ici Capricorne CM, je vois le LM. 5 minutes après l'atterrissage, ce connard de presse va m'appeler pour me dire que le président est heureux de ce succès. Si nos données sont correctes, leur altitude est de 2 nautiques 2. Inclinaison, 20 degrés. Descente verticale, 44 degrés 6 pieds à la seconde. Nous avons passé la fenêtre inférieure. Altitude 950 pieds. Tout va bien. 15 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Houston, ici Capricorne 1. Nous avons atterri.
Oui. Le vice-président en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le vice-président. Oui, un magnifique succès. Un bon moment pour tous les Américains. Soyez gentil de dire au président que c'est fort aimable de sa part. J'apprécie son geste, je vous assure. Merci. Et mes hommages respectueux à votre charmante femme. Oui. Au revoir. Quel connard. Docteur Calloway, pourrais-je vous parler un instant? Bien entendu, Elliot. Dites-moi, quel est votre problème? Voilà, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quoi, Elliot? Je n'en suis pas certain à 100%, mais c'est au sujet des lectures. J'ai vu le docteur Bergen à ce sujet il y a longtemps, mais il dit que ça vient de la console. Est-ce que vous voudriez jeter un coup d'œil? Sur quelle console travaillez-vous? Télémétrie 36. Ah oui, le docteur Bergen est venu m'en parler. Nous l'avons donné à réparer. Je sais, monsieur, je sais. Et depuis, j'obtiens les mêmes résultats. Des résultats sur quoi? Voilà, j'ai établi un programme personnel pour vérifier quelque chose, et les résultats sont différents. Vous avez composé un programme? Oui, monsieur. Mais je ne crois pas que ce soit la console. Bien, je vais la faire signaler et je veillerai à ce qu'elle soit vérifiée. Merci, Elliot, de m'avoir averti de ces anomalies inadmissibles. C'est naturel, monsieur. Ici Paul Tullingham, QG Capricorne. Le directeur du vol annonce que l'équipage du LM a reçu le go pour le premier atterrissage sur le sol de Mars. Le décalage de temps rendant une conversation impossible, l'équipage a emporté un message du président des États-Unis enregistré avant le départ. Ici le QG du Capricorne. Houston, nous enclenchons la caméra. Roger, Capricorne. Houston, vous devriez recevoir l'image maintenant. Nous avons une excellente image. Houston, je suis hors du hublot de sortie. Je suis sur l'échelle. Houston, la combinaison est fonctionnelle, l'échelle est stable. Je suis à 3 échelons du sol. 2 échelons. Houston, je suis sur le dernier échelon. Houston, je vais poser le pied sur le sol. Prêt pour le ralenti? J'accomplis cette phase de notre voyage de la paix pour toute l'humanité. Le ralenti. Houston, je suis sur la surface de Mars. Roger, Capricorne. Nous enregistrons. Je commence à marcher maintenant. Et Houston, la surface est solide. La visibilité est bonne. J'avance vers la caméra. Le sol est ferme. La surface semble poudreuse. Je vais prendre la caméra. J'ai la caméra. L'image va être brouillée pendant quelques instants. La marche est facile. Houston, je vais poser la caméra. Les roches ont l'air d'être très poreuses. Houston, je suis hors du hublot de sortie. Houston, je suis sur l'échelle. Prêt, ralenti. Houston, je vais arriver sur le sol. Allez-y, ralenti. Houston, je suis sur le sol de Mars. Nous allons planter le drapeau sur Mars. Nous ne revendiquons pas cette planète au nom de l'Amérique. Nous la revendiquons au nom de tous les peuples de la planète Terre. Nous espérons que notre visite ici contribuera à faciliter la compréhension entre les hommes. Walker devrait bientôt mettre en route la bande sonore préenregistrée du message du président. Houston, j'envoie la bande sonore. Aux hommes de Capricorne 1, je vous apporte les félicitations de vos compatriotes américains et de tous les citoyens du monde. Vous êtes si loin. D'ici, il faut plus de 20 minutes à la lumière pour vous atteindre. Et l'on peut dire non seulement la lumière, mais aussi le temps. Vous êtes dans un autre temps vis-à-vis de nous.
l'avenir. Nous ne serons jamais plus les mêmes. Car ce moment, plus qu'aucun autre moment de notre histoire, aide tous les hommes dans le monde à réaliser que nous faisons partie d'une planète qui fait elle-même partie d'un système qui fait partie de l'univers. Nous sommes des particules d'énergie capables de mesquinerie, mais aussi capables de grandeur. Nous savons combien nous pouvons être mauvais. Mais vous, hommes de Capricorne 1, vous nous prouvez combien nous pouvons être aussi merveilleux. En nous montrant les hauteurs que nous pouvons atteindre, vous avez franchi la dernière grande frontière et vous nous avez fait comprendre ce que nous sommes. Des gens dont la couleur, la religion et les idéologies sont différentes, mais malgré tout, un seul peuple. Vous êtes la vérité fondamentale. Vous êtes la réalité. Nous ne vous oublierons jamais. Et nous vous serons toujours reconnaissants. Elliot, j'ai décidé, après un débat intérieur minutieux et un pénible examen de conscience, de t'offrir une ultime chance de regagner tes 50 dollars. Ça ne me dit rien, merci. Allez, 8 boules, la partie 5 dollars. Ça ne me dit rien. 10 dollars. Je suis sérieux? Moi aussi, vieux, je te laisse ouvrir. On peut pas être plus sérieux, il me semble. Tu as bu? Ah, je savais qu'il y avait une raison pour que je me sente si bien. Il serait temps que je t'imite. Elliot, sous cette chemise de bourgeois, tu as un cœur qui bat. Un peu amidonné, peut-être, mais un cœur. Mike. Tu as dit que j'ouvrais. Et moi, je devais être sous. Alors, grande journée de boulot, hein? Alors, parlons d'autre chose, Mike. Tiens, t'as cassé ta règle à quelqu'un? Je suis pas absolument sûr. J'ai fait un contrôle sur mes signaux de transmission. J'ai obtenu des chiffres complètement aberrants. Je l'ai dit au docteur Bergen, mais j'ai l'impression que mon initiative l'a plutôt emmerdé. À son avis, ce doit être un défaut de la console. Alors, je vais aller le dire au docteur Calloway, qui m'a répondu la même chose. Bravo. Et qu'est-ce que tu espères, la médaille du mérite? Je me dis aussi, ils doivent savoir ce qu'ils font. Ce que j'ai obtenu ne peut pas être juste. Je sais que c'est impossible. Est-ce que tu admets que tes résultats peuvent pas être justes? Pourquoi est-ce que tu te fais de la ville? C'est la façon dont ils ont réagi. Ils n'ont pas cherché à les contrôler. Ils m'ont regardé comme un gosse un peu curieux. Ils m'ont offert une sucette. De quel ordre, tes chiffres? Je dois admettre que c'est ridicule. Bon, alors jouons au billard, tu veux. Ces signaux avaient l'air de venir de 500 km. Des signaux de quoi? Des transmissions de télévision. Je crois que je suis dessoulé brusquement. Redis-moi ce que tu viens de me dire, là. Ecofil, téléphone. Allô? Oui, ici, c'est Ecofil. Quoi? Non, pardon, voulez-vous essayer de parler plus fort? La communication laisse à désirer, il y a des crachotements et j'entends pas très bien. Qui? Je saisis pas ce que vous voulez. Écoutez, téléphonez donc à la salle de rédaction. Le chef sera très content d'envoyer quelqu'un couvrir ça pour vous. Ouais, c'est ça. Vous demandez le bureau des correspondants. Des correspondants, oui, c'est ça. Il n'y a pas de quoi. Qui a faim? Merci. Ah, les prodiges de l'homme de science. Nous sommes là, à des millions de milles de la Terre, et nous pouvons envoyer chercher une pizza. Je ne le ferai pas. Tu ne feras pas quoi? Demain, je ne m'assierai pas dans ce truc, pour dire à ma femme d'un air ravi que tout va bien. Je ne ferai pas ça. J'ai essayé. Mais j'ai deux gosses aux grands yeux candides. Je leur ai dit que leur père faisait ce voyage pour qu'ils soient fiers de lui. Comme lui l'était d'eux. Je vais rentrer chez nous. Je les serrerai contre moi et il faudra que je les regarde dans les yeux. En leur disant que j'ai vraiment fait cela. Peut-être est-ce mieux que de rentrer à la maison et de leur avouer que je ne l'ai pas fait.
Je voudrais savoir ce qui est bien, mais en fait, je l'ignore. Nous sommes restés sagement ici depuis des mois. Racontons leurs mensonges à leur place. Et je refuse de continuer à le faire. Ok, alors on se lance et on cache le morceau demain à la télévision. Et qu'est-ce que ça donnera? On aurait gâché le dîner de pas mal de gens. Nous nous sommes déjà gâchés nous-mêmes. D'accord, et qu'est-ce qu'on aura de plus en semant le gâchis dans l'esprit des autres? Ah, là, il marque un point. C'est pour toi que nous avons accepté de marcher. Toi et nos familles. Et tout d'un coup, tu veux en sortir en déclenchant le plus terrible des orages. Nous nous serons pulvérisés tous les trois par ces retombées. Et nos familles? Tu as pensé à nos familles? Je sais! Je sais. Eh merde. Ça, c'est ce que j'ai entendu depuis censé depuis trois semaines. Qu'est-ce qui est censé? Merde. Je ne crois pas que je peux continuer à faire ça. Donnez-moi le docteur Calloway. Et pourquoi tout d'un coup avons-nous l'air de coupables et toi du champion de la vérité et de la justice? Nous pourrions avoir un problème avec Baubacker demain. Je voudrais trouver les mots. Au diable les mots, gros! Les responsables, ils sont capables de n'importe quoi. Et tu sais que nos familles sont à leur merci. Nous sommes dans cette affaire et nous sommes trop engagés pour arrêter maintenant. Aucun de nous ne doit décider seul. Nous devons décider ensemble. Excusez-moi, j'essaie d'obtenir un numéro depuis plus d'une heure et c'est occupé. Vous allez-vous être assez gentil pour vérifier ça? Oui, je sais que c'est pas votre travail. Oui, exactement, c'est un cas d'urgence. Merci. 1, 9, 3, 3, 6, 3, 9. Non, 3, 6, 3, 9. Monsieur Elliott, Twitter. En dérangement? Bien, je vous remercie beaucoup. Ici Paul Cunningham, quartier général du Capricorne. Nous sommes à H plus 223 jours, 6 heures, 32 minutes. Tous les systèmes sont go, tous les voyants sont verts. Nous attendons que commence la dernière des transmissions télévisées depuis le module de commande pendant son retour sur la Terre. Cette transmission est avant tout une conversation entre les membres de l'équipage et leurs épouses. C'est la première fois que les astronautes sont assez près de la Terre pour rendre possible une conversation normale. Ici QG du Capricorne. Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, ici Houston. Roger, Houston, ici Capricorne 1. Houston, avez-vous une image? Roger, Capricorne, nous avons une image. Nous avons aussi trois dames impatientes qui voudraient vous parler. Roger, Houston, nous sommes aussi impatients de leur parler. Ok, allez-y. Mais soyez bref. N'oubliez pas que c'est l'interurbain. Jack? Jack, c'est Betty. Bonjour, Betty, comment vas-tu? Tu as l'air très bien. Merci. Je n'ai pas la chance de te voir, mais... je t'entends et ça me fait du bien. Jack, tu me manques, tu sais. Et aux enfants aussi. Ok, moi aussi, vous me manquez plus que vous ne pouvez le croire. Peter? C'est Sharon. Il a fallu que tu me poursuives jusque-là. Est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Non, je me sens très bien. Comment va Sandy? Eh bien, dans le spectacle de fin d'année, elle joue le rôle de Wendy. Dans Peter Pan. Ah, c'est formidable, ça. On dirait que tu es tout à côté. On a du mal à croire qu'en réalité, tu es si loin dans l'espace. C'est difficile pour moi aussi de le croire. Brou? Bonjour, Kay. Oh, Brou, nous sommes tous si fiers de toi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je suis pas tranquille avec lui. Surveillez-le. Brou, j'ai une surprise pour toi. Comment? Je t'ai dit que j'ai une bonne surprise pour toi. Oh, et qu'est-ce que c'est? Charles a fait une composition l'autre jour. Et il a une mention spéciale. Veux-tu que je te la lise? Bro, est-ce que tu m'entends? Oui. Dis-la-moi, s'il te plaît. Mais ça sent le roussi. Voulez-vous que je coupe tout de suite? Attendez que je vous le dise. Mon père, par Charles Brubaker Jr. Mon père est très loin de moi en ce moment. Car il vole vers Mars. Il me manque beaucoup. Il me manque toujours quand il n'est pas là. Pourtant, je ne suis pas triste. D'habitude, je suis triste quand il s'en va. Une fois, alors que nous parlions comme souvent, il a dit que les gens ne peuvent pas se contenter de vivre pour eux-mêmes. Et il a dit que lui, il essayait de faire des choses qui peuvent être utiles à tout le monde. Je sais que c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait
Alors bien qu'il soit très loin aujourd'hui, je sais qu'il pense à moi et je suis avec lui. Voilà pourquoi je ne suis pas triste. Et c'est pourquoi je suis très fière de mon daddy. Je l'aime si fort. Kay. Oui, qu'y a-t-il? Excuse-moi d'être grave aujourd'hui, mais je voudrais te dire quelque chose. Oh, bon, je t'écoute. Attendez que je vous le dise. Je sais que tout ça n'est pas facile pour toi et les enfants. Je veux que vous sachiez que je vous aime. Dis à Charles que je le remercie pour cette composition, s'il te plaît. Je lui dirai. Et dis-lui que quand je reviendrai, je l'emmènerai encore visiter le parc de Yosemite. Il désirait revoir. Promis. Et je veux que tu saches que moi aussi je t'aime. Très fort. Les trois minutes sont terminées, messieurs. Roger, Houston. La prochaine fois que nous vous verrons, vous ne serez pas loin de la maison. Roger. Beau travail, Capricorne. Que Wither est là, dites-lui que c'est Caulfield. Qui? Wither, Elliot Wither. Il n'y a pas de Wither ici, monsieur. Vous vous êtes trompé d'appartement. Enfin, c'est bien l'appartement 228, n'est-ce pas? Oui. Ah, oh, vous avez dû vous tromper d'immeuble. Ils se ressemblent tous, d'ailleurs. Oui, c'est exact. Mais ici, c'est le 4311 Claridge, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, alors, Elliot Wither habite au 4311 Claridge, appartement 228. C'est une plaisanterie. Écoutez, je suis venu ici un million de fois. Wither est un ami à moi et il habite dans cet appartement. Monsieur, qui que vous soyez, je suis en train de nettoyer un four. Celui de mon réchaud qui est dans ma cuisine, dans mon appartement. Si ça ne vous ennuie pas, je vais continuer mon travail. Attendez une minute, non, écoutez-moi, je ne suis pas un fou. Non, je vous assure, je ne suis pas non plus un bandit. Je suis venu voir mon ami et il habite dans cet appartement, je peux le jurer. Voulez-vous ôter votre pied de ma porte ou je téléphone à la police? Je trouve que cette plaisanterie est un peu longue. Attendez, je vais vous prouver que je suis ici avant. Je connais cet appartement. Voulez-vous sortir d'ici ou dois-je téléphoner à la police? Thank you.
Ici Paul Cunningham, QG Capricorne. Nous sommes à 259 jours, 14 heures, 12 minutes de vol. Tous les systèmes sont en ordre, tous les voyants sont verts. Le porte-avions chargé de la récupération, le USS Oriskany, est en position. Si la capsule arrive au point de chute prévu, il s'écoulera 18 minutes entre l'amérissage et l'ouverture du panneau de sortie. Quand l'équipage aura entendu sur le pont les paroles de bienvenue à bord prononcées par le capitaine Earl Marx, il devra subir une série de tests médicaux. Ce soir à 20h, heure d'été, zone pacifique, l'équipage assistera au banquet de la victoire couronné par un dessert spécial. Un gâteau rouge de 12 mètres de haut représentant la surface de Mars. Nous sommes à 23 minutes 12 secondes du commencement de la phase de rentrée. Ici QG Capricorne. Nous avons un hélicoptère qui attend dans l'île pour vous amener à la capsule quand elle se posera en mer. Il faudra alors escanier environ 1h30 pour vous joindre, donc il n'y a pas besoin de se presser. Roger, tous verts. Dernière vérification des systèmes. Vérification des propulseurs de séparation. Propulseur extérieur. Propulseur extérieur branché. Propulseur intérieur. Propulseur intérieur branché. Comment ça se présente? Il pourrait y avoir un léger problème, monsieur. Oui, lequel? Ils ne sont pas tout à fait sur la trajectoire. De combien en seront-ils? Au moins 200 nautiques. Si loin? Il faudra compter 1h30 pour que le porte-avions arrive à proximité. Roger. Tenez-moi au courant. Oui. 6, 5, 4, 3, 2. Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, le voyant du bouclier thermique est au rouge. Capricorne 1, ici Houston. Le voyant du bouclier thermique est au rouge. Me recevez-vous? Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, ici Houston. Le voyant du bouclier thermique est au rouge. Me recevez-vous? Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, le voyant du bouclier thermique est au rouge. Répondez. Capricorne 1, WC Aloha. Capricorne 1, ici Houston. M'entendez-vous? Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, le bouclier thermique est au rouge. M'entendez-vous? Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, ici Houston. Capricorne 1, ici Houston. Est au rouge, répondez. Capricorne 1, ici Houston. Ici Paul Cunningham, QG de Capricorne. On nous annonce qu'il y aurait un problème. Nous ne savons pas quel peut être ce problème. Nous vous tiendrons au courant. Ici QG Capricorne. Charles, sois gentil, va jouer avec Sandy. Mais maman... Charles, emmène Sandy, veux-tu? Maman... Charles, laisse-la d'obéir cette fois. Capricorne 1, ici Houston. Mesdames et messieurs, je résumerai brièvement la situation et ensuite je répondrai à vos questions. C'est sûrement la rentrée. Il s'est passé quelque chose pendant la rentrée. Pourquoi nous a-t-on rien dit? Ils ne veulent pas que nous sachions ce qui n'a pas marché. Mais enfin, pourquoi? Mais où est passé Kelloway? Et nous, dans quel merdier sommes-nous? À H plus 259 jours, 15 heures et 11 minutes du vol de Capricorne 1. Ce qui fait 2 minutes 18 secondes après l'entrée dans la stratosphère. Le voyant lumineux du bouclier antithermique sur le panneau général de la mission de contrôle est passé tout à coup rouge. Mes amis, nous sommes morts. Quoi? Morts. Merde, c'est con, moi qui étais un type du tonnerre. Nous avons essayé d'établir aussitôt le contact radio avec le vaisseau spatial. Et nos efforts ont été vains. S'il s'est posé loin du point prévu, pourquoi n'en sommes-nous pas avertis, nous les intéressés? Et s'il n'a pas amerri, alors? Ou le bouclier thermique s'est séparé, ou les parachutes ne sont pas ouverts. Dans les deux cas, nous sommes morts. De toute évidence, le bouclier thermique s'est séparé du module de commande.
Or, ainsi que vous le savez, ce bouclier est la seule protection qu'est le module contre les hautes températures provoquées par la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau spatial s'est désintégré en moins de 12 secondes après la perte du bouclier thermique. En ce moment, ce cher Calloway est en train de dire à l'assistance quel brave, quel merveilleux type nous étions. Et je n'arrive pas à trouver les mots pour dire ce que je ressens. Ces hommes faisaient partie de ce grand bloc qu'est notre famille. Celle du programme. Si jamais quelqu'un nous voit maintenant, tout le plan est fichu par terre. C'est aussi simple que ça, donc ils ne peuvent pas se permettre de nous garder. Ceci termine ma déclaration. Avez-vous déjà averti les familles? Oui. Étant donné la situation, je crois que nous n'avons pas le choix. Moi, je dis filons d'ici et tout de suite. Si vous êtes d'accord, allons-y. Quand le bouclier antithermique a-t-il été vérifié pour la dernière fois? Pendant toute la phase de rentrée, des séries de contrôles complets ont été faites. Chacune de ces vérifications nous a indiqué que le bouclier était en place. Je n'ai pas encore parlé au président, mais cela ne saurait tarder. Je puis cependant vous dire que le président n'a cessé de nous soutenir de ses encouragements tous autant que nous sommes. Tout au long de ce programme, cette mission représentait autant pour lui qu'elle représentait pour nous. Croyez-vous que cela mettra un point final au programme spatial habité? Ça, je l'ignore. On ne peut pas aller aussi loin sans trébucher quelque part en cours de route. Cela ne signifie pas que notre but n'en vaille pas la peine. Trop de gens y ont donné tant d'eux-mêmes. 1967, n'oubliez pas que Apollo 1 a brûlé. Mais malgré cette terrible épreuve, nous n'avons pas abandonné. Nous avons continué comme ils l'auraient voulu eux-mêmes. Ces trois hommes remarquables ont donné leur vie en essayant d'élargir l'horizon de l'espèce humaine. Les garçons sont morts en avançant vers ce but. C'est à vous qui m'écoutez que je demande de donner la réponse. Quelle est la meilleure façon d'honorer ces trois hommes? En renonçant à réaliser leurs rêves, en disant qu'ils se sont sacrifiés pour rien? C'est à vous de répondre. C'est le gauche qu'on a perdu. Essaie de rentrer l'autre si tu veux. Une idée de l'endroit où on est? Non. Dans quelle direction volons-nous? Ouest. Mais une fois à la côte, on vira vers le nord. Ce qu'il faut, c'est trouver une ville quelconque, si petite soit-elle, mais une ville. Où on puisse voir des gens, une station de télé, un journal, enfin un endroit où on puisse se montrer, et c'est terminé. Je ne suis pas sûr que tout sera terminé. Nos familles, nos gosses croient qu'on est mort. Tu vois, je me demande, quand on se montrera que tout le monde saura le fin mot de l'histoire, si les gens seront tellement ravis. Il vaudrait peut-être mieux pour eux qu'on soit vraiment mort.
On va rester en rade de carburant. Je t'ai toujours dit de ne pas te lancer dans un voyage sans vérifier le niveau. Faut taper sur la réserve. Nous sommes déjà sur la réserve. Ça manquait. Je vais commencer à tourner pour trouver un endroit où atterrir. Là-bas. Là-bas, après ce banc de roche. Tu crois que tu sais poser un truc comme ça? Plein volet. Sur Mars. Vous avez environ 20 minutes d'avance sur eux. Ce ne sera pas difficile de repérer cet avion d'en haut. Nous avons deux possibilités. Ou nous restons ensemble, ou bien nous partons dans trois directions. Hé, hey, j'ai trouvé une boîte de survie là-dedans. Une boîte d'eau chacun. Une fusée chacun. John, tu prends le briquet, Peter et moi, on se partage les allumettes. Qui veut le revolver? Je le tirerai dans le pied. Moi, je le tirerai dans l'autre pied. Tu veux le couteau? Et n'oubliez pas, si l'un de nous est pris, ou s'il est au bout du rouleau, il envoie une fusée. Afin que les autres le sachent. Je continue vers l'ouest. John, tu vas au nord. Peter, toi, tu vas vers le sud. Comme nous sommes venus de l'est, c'est pas la peine d'y retourner. On a guère de temps, et il y a tellement de choses à se dire, alors en route. Si l'un de nous trois peut s'en tirer, tant mieux. Je t'ai jamais raconté l'histoire de ce gars dont le boulot était d'appliquer un emplâtre aux éléphants malades. Merci. Tu la connais? Il la racontera quand on sera chez nous. Avant ça, on va passer le encore. Qu'il désirait revoir. Promis. Écoutez. Monsieur Croc, dites. Faisons des trucs de briques et de broc, dites. Faisons des trucs avec Rock et Coq. Regarde, coq. Oui, oui, ce sont des coqs. Et ça, ce sont des... Rocs. Bien, moi, je vais te faire le premier truc. Un bloc de briques, ensuite, je mets un disque de cirque, des phoques dans le lac, et toi, tu pourrais me dire comme truc, la barque qui craque, dans le barque sur le lac. Cric, crac. Le lac. Et la barque. Et encore plus fort, monsieur Croc. Toc sur coq et coq sur bloc. Lac dans parc et barque sur lac.
briques et blocs, et barques et parcs. Et de plus en plus fort. À vous, monsieur Croc. Essayez de dire ça. Monsieur Croc. Coq. Coq sur roc, toc. Parc sur lac, toc. Parc. Parc. Oui. Très bien, Sandy, mon trésor. Cirque. Disque. Rick. Tic. Je désire voir Madame Brubaker. Mon nom est Mike Caulfield. Madame Brubaker ne reçoit aucune visite en ce moment. J'ai téléphoné ce matin et je vous affirme qu'elle m'attend. Redites-moi votre nom. Caulfield. Mike Caulfield. Ah ouais. Madame Brubaker vous attend, c'est exact. Elle est dans le patio. Et par là. Merci. Madame Brubaker. Monsieur Caulfield. Asseyez-vous, je vous prie. Madame Brubaker, avant toute chose, je tiens à vous dire combien je suis désolé et combien je prends part. Je sais, je vous remercie. Monsieur Caulfield, ne soyez pas trop gêné devant moi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas inspirer la pitié. Je comprends, vous avez scrupule à me distraire de mes pensées. Et vous avez raison, mais je ne vous en veux pas, au contraire. Vous m'avez téléphoné en disant que c'était très important. De quoi s'agit-il? Madame Brubaker, ça n'est peut-être pas important pour vous. Seulement, je cherche des renseignements sur une affaire qui est importante pour moi. C'est personnel. Vous êtes bien journaliste. Oui, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas venu pour une interview. J'aimerais avoir quelques détails de votre part à propos de la dernière conversation que vous avez eue avec votre mari pendant leur tour vers la Terre. Mais pourquoi? Oui, cela peut vous paraître sans doute bizarre, Madame Brubaker, mais je vous en prie, faites-moi confiance. Juste avant que cette conversation ne s'achève, le colonel Brubaker vous a dit qu'il emmènerait votre fils au grand parc Yosemite. Et vous avez eu la réaction de quelqu'un qui ne saisit pas ce qu'on lui dit. Pourquoi voulez-vous que je parle de cela? Je vous l'ai dit, c'est une affaire personnelle. C'est personnel pour moi aussi. Je vous jure que je n'ai pas envie de commettre une indiscrétion quelconque. En quoi ce genre de détail peut-il vous intéresser? Je vous en prie, faites-moi confiance. Pourquoi? Effectivement, c'est une bonne question. Eh bien, c'est un détail idiot. Une chose qui n'a rien de dramatique. Brou a une défaillance de mémoire. Alors, excusez-moi, mais je ne vois pas la nécessité de révéler que mon mari a fait une erreur à propos de vacances. Lui qui avait l'esprit à d'autres choses plus importantes. Non, non, attendez, je n'ai pas l'intention de faire un article ou d'en parler à la radio. Que cherchez-vous? Ça a un rapport avec un de mes amis. Je saurais quelque chose? Si je savais de quoi il s'agit, je pourrais vous le dire. Eh bien, ce n'est rien. Brou a dit qu'il ramènerait notre fils au parc Yosemite en rentrant. Or, nous sommes allés à Flat Rock et non au parc Yosemite. Je crains qu'il n'y a aucune allusion cosmique dans la confusion qu'il a faite. Madame Brubaker, je vous remercie infiniment. Je ne doute pas que vous ayez autre chose à faire ce matin que de répondre à mes stupides questions. N'en croyez rien. Je puis vous aider un peu, au moins.
J'en suis pas encore sûr. Pourrais-je vous appeler à nouveau? Oui. À l'intérieur? Vous en êtes sûr? Demandez du renfort. Ils ne pourront pas aller très loin à pied. Sacré gâteau. Flat Rock est conservé comme attraction touristique et protégé par le ministère de l'Intérieur des États-Unis. De l'eau, tu sais très bien qu'elle aime pas ça. Je sais que tu le fais exprès et que Sandy va finir par pleurer. Si tu veux rester jouer dans l'eau, cesse de l'ennuyer. Salut, oncle Jim. Salut, Charles. Bonjour, Kay. Jim. Toujours aussi belle. Merci. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, merci. Comment vont les enfants? Bien. Charles est courageux. Il doit souffrir intérieurement, mais il est fort. Sandy ne sait rien encore. Et il y a un service commémoratif prévu pour mardi prochain. Mmh. Il aura lieu ici, à Houston. Le président va y assister et dira quelques mots. C'est gentil. Aurais-je droit à une belle médaille? J'aimerais que vous soyez là. Comprenez-le. Je sais combien tout ça doit être pénible pour vous en ce moment, Kay. En demandant ça, je me fais l'effet d'être Jacques l'Éventreur. Je vous assure, mais je crois que votre présence est indispensable ce jour-là. Voulez-vous venir avec moi à ce service? C'est une horrible mort que la sienne. Absolument pas, Kay. Quand le bouclier thermique s'est séparé, ça a été fini en moins de 5 secondes, je vous l'affirme. Cela peut paraître atroce de parler ainsi, mais je tiens à ce que vous sachiez qu'il n'a jamais souffert. Il est mort en faisant ce qu'il voulait faire depuis toujours. Quelque chose qu'il trouvait assez important pour y sacrifier sa vie.
Je sais. Moi, je ne trouve pas que c'était assez important pour qu'il y sacrifie sa vie. Oui, je comprends. Je suis désolé, vraiment désolé, Kay. Je n'ai pas le droit de vous harceler ainsi. Je vous appellerai demain. Jim? J'irai. Vous êtes une femme pas comme les autres, Kay. C'était un homme pas comme les autres. Merci. Hé, hey, oncle Jim. Oui? Mon papa est allé sur Mars? Oui, il y est allé. Je suis complètement déshydraté. Déshydraté. Les signes. Le manuel dit, chercher les signes qui indiquent la présence de l'eau. De l'eau. Le manuel dit, les signes qui indiquent la présence de l'eau. Il était seul? Dans quelle direction avançait-il par rapport à l'avion? Cherchez direction sud et ouest maintenant. Rappelez ceux qui cherchent au nord et à l'est. Les deux autres sont au sud et à l'ouest. Rebonjour. Rebonjour. Puis-je vous offrir un verre? Volontiers, merci. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un scotch, nature, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Vous êtes un peu gêné de venir me déranger encore. De toute façon, vous avez une ou deux questions à me poser auxquelles vous avez réfléchi. C'est une affaire personnelle. Et vous ne viendrez plus me déranger après cela. Je n'ai pas trouvé ce que je cherche, malheureusement. Je me sens un peu gêné de venir encore vous déranger. De toute manière, j'ai besoin de vous poser une ou deux autres questions indiscrètes. C'est une affaire personnelle et je ne viendrai plus vous déranger après cela. Je crois que vous êtes sur une piste, vous voulez mon aide, mais vous ne voulez pas me dire ce que c'est. Pourquoi? Vous êtes une petite dame très intelligente, vous le savez. Je le sais. Je bois trop, bien sûr. Et comme je parle trop, je me mets dans des situations difficiles. J'avoue que j'ai souvent une imagination qui s'emballe un petit peu vite. Dans cette affaire, quelque chose cloche et je ne sais pas ce que c'est. Mais croyez-moi, je ne ferai jamais rien qui puisse vous être préjudiciable à vous ou à votre mari. Je vous le jure, Madame Brubaker. Enfin, que cherchez-vous? Je prends un risque terrible en vous disant ça. Vous pouvez me mettre à la porte et je ne vais à aucun prix que vous me jetiez à la porte. Je suis certain que votre mari n'est pas un homme dont la mémoire flanche, quelles que puissent être les conditions du moment. Je crois qu'il voulait vous dire quelque chose de précis. Quoi? Qu'aviez-vous fait à Flat Rock? Rien de spécial. Nous sommes repartis le même jour parce que Charles ne se sentait pas bien. Mais qu'avez-vous fait ce jour-là? Oh, ça, je ne m'en souviens pas. Nous avons visité la ville avec un groupe et un guide pour commenter. Et... Je ne me souviens pas. Nous avons fait des films aussi. Vous les avez? Oui. Je peux les voir? Oui. Une équipe de cinéma tournait un western, justement. Roux était sidéré. Il n'avait jamais pensé qu'il fallait si longtemps pour tourner une simple scène. Charles a beaucoup aimé cela. Il n'était pourtant pas dans sa meilleure forme. Il ne le savait pas, mais il était malade. Brou était fasciné par ce travail. Il s'émerveillait que des décors aussi truqués puissent sembler aussi vrais. Il disait que, avec les progrès de la technologie, on pourrait faire croire aux gens à peu près n'importe quoi. Et celle-là, tu la connais? Il y a un gars qui fait un voyage en Europe. Ce sont ses premières vacances depuis longtemps. Et il voit tout, le gars. Il voit tout. Il se paye du bon temps. Et enfin, au bout de quelques temps, il donne un coup de fil chez lui. Alors, c'est son frère qui répond. Le gars dit à son frère, alors comment ça va à la maison? Et le frère lui dit, ton chat est mort. Alors le gars dit à son frère, c'est pas une façon de donner les nouvelles. Tu aurais dû... Mais non, c'est ça avec précaution. Tu vois, dire, tu aurais dû me dire, ton chat, l'autre jour a grimpé sur le toit et il faisait la chasse aux hirondelles et tout d'un coup, il a eu le vertige. Il a fallu appeler les pompiers. Quand ils sont arrivés sur place, un pompier a grimpé sur le toit. Il a attrapé le chat, et en descendant, il a glissé. Le chat est tombé sur le trottoir. Il a fallu conduire le chat chez le veto. Il a voulu essayer de sauver le chat. Il l'a même opéré, le chat. Mais c'était trop tard. Il n'a pas réussi à sauver le chat. C'est comme ça qu'on doit faire pour annoncer les catastrophes. Alors le gars dit à son frère,
Comment va maman? Et le frère lui répond. Elle est sur le toit. Vous figez. Elle est sur le toit. Oui, lequel? Dans quelle direction allait celui-là? Brubaker va donc vers l'ouest. Tout le monde vers l'ouest. Caulfield. Maintenant? D'accord. Comme c'est gentil à toi de nous accorder une journée. Je crois que j'ai quelque chose, patron. Tu as besoin de voir un psychiatre ou un urologue? Attendez, ne me dites pas qui c'est cette réplique, c'est Georges Rath, c'est ça? Où diable étais-tu passé? Écoutez, je voulais vous voir. Je crois que je suis sur un truc terrible. Ce sera le plus grand scoop qu'on ait jamais eu parole. Seigneur Jésus, un scoop, ça m'a l'air passionnant, ton histoire. Une affaire truquée qui va loin, patron. Ils ont compris que je suis dessus, ils ont essayé de me tuer. Qui ça, il? Ça ne servira à rien, je vous le dis. Et pourquoi? Vous ne me croiriez pas. Ah, tu crois ça? D'accord, écoutez un peu. J'ai eu un tuyau par un de mes copains, un bon copain, et il a disparu. Disparu? Comme s'il n'avait jamais existé. Il y a une dame inconnue à sa place dans son appartement. Son appartement est tout transformé. Elle dit qu'elle habite cette maison depuis plus d'un an. J'ai été chez le gérant, j'ai vu tous les contrats de location. Ils ont en effet des reçus de cette femme depuis plus d'un an. J'ai été à la NASA, au service du personnel. Ils n'ont pas de dossier au nom de mon ami. Il n'a jamais travaillé là. Ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Donc, ce bon copain qui travaillait à la NASA t'a filé un tuyau, mais pff, il a disparu. Et il se trouve que cet ami n'a jamais habité son appartement, ni travaillé pour la NASA. Et c'est ce gars-là qui t'a refilé ce scoop d'ordre cosmique époustouflant, et tu penses que je ne vais pas te croire. Et ma bagnole, on m'avait saboté ma bagnole. Celle avec laquelle tu as décidé d'apprendre à plonger? Quelqu'un l'a trafiqué. Les freins ont été sabotés. Tu peux le prouver? La police a dit. Les flics ont dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Et tu penses que je ne vais pas te croire? Ce n'est pas tout, on a tiré sur moi. Quand? Hier à 15h. Dieu soit loué, j'ai un bon alibi. C'est la vérité, je vous le jure. Alors écoute-moi. Et écoute bien. Je n'aime pas les gens comme toi, Caulfield. Tu es trop ambitieux. Tu crois que le moyen de gagner des galons, c'est de me balancer le scoop du siècle, sans doute. Woodward et Bernstein, eux, étaient de bons reporters. C'est ce que j'appelle des journalistes. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient repéré la planque de Patty Hearst trois fois, comme toi, tu me l'as dit. Ils n'auraient pas échafaudé cette brillante enquête journalistique qui se terminait par la découverte d'un témoin qui avait vu le deuxième tueur dans l'assassinat de Kennedy. Et le simple fait que le type était dans un hôpital psychiatrique en observation à l'époque ne t'a pas découragé. Toi, Scoop Caulfield. La plupart des journalistes sont des gars comme moi. Ce sont des piocheurs. Ils passent le plus clair de leur temps à vérifier ces petites choses insignifiantes qu'on nomme les faits. Ils font des reportages sur des sujets comme les guerres, les procès et les meurtres. Toi, tu ne trouves jamais le temps dans ton activité débordante de t'abaisser à faire un reportage, un vrai. Toi, tu te penches sur des tuyaux terribles donnés par des bons hommes qui n'ont jamais existé. Tu prends des bains dans la mer au volant de ta voiture en clamant que c'est un sabotage et tu sers de cible à des tireurs fantômes. Tu crois bien que je suis désolé d'interrompre ta carrière spatiale avec quelque chose d'aussi vulgaire qu'un fait divers entre tant d'autres. Quoi qu'il en soit, un train chargé de propane a eu le mauvais goût de dérailler près de Galveston et une ville tout entière risque d'être pulvérisée en bloc. Alors, Caulfield, ce serait vraiment très chic de ta part si tu voulais bien rejoindre l'équipe des photographes qui t'attend dans l'avion à la minute même où je te parle. Ça, c'est un beau speech. Je te le fais pas dire. Je regrette, je n'irai pas à Galveston maintenant. Je crois que j'ai mal entendu. Écoutez,
le jour où un reporter annonce à son rédacteur en chef qu'il croit avoir mis le doigt sur quelque chose qui pourrait faire vraiment beaucoup de bruit. Alors le rédacteur en chef répond en général, d'accord, tu as 48 heures mon gars, et rappelle-toi que tu ferais bien de rapporter quelque chose de valable ou alors tu es saqué. Voilà ce qu'il répond en général, je l'ai vu dans un film. Va poser ton cul dans l'avion. Pas question chef, je ne peux pas lâcher ça. Et tu ne peux pas me dire ce qu'il y a derrière cette histoire à tout casser. Ça a l'air complètement dingue, mais si je vous dis ça, ça m'attirera des embêtements. Tu n'es pas fou, c'est moi qui le suis, je suis fou allié, fou de t'écouter, je le suis encore plus de te dire ce que je vais te dire maintenant. Je te donne le tour du cadran, soit 24 heures pour m'apporter du concret, et pas 48, j'ai vu le film aussi, c'était bien 24. Je ne bouge même pas un cil. Michael Caulfield. Oui, mais vous qui êtes-vous? Police fédérale. Nous avons un mandat pour fouiller votre appartement. Vous avez un mandat? Mais pourquoi? Surtout, ne bougez pas. Non, c'est promis, je voudrais seulement savoir ce que ça signifie. Hé, hey, venez voir, j'ai trouvé. Voulez-vous venir, je vous prie, monsieur Caulfield. Monsieur Caulfield, je suis désolé. Je suis obligé de vous arrêter pour détention de cocaïne. Non, c'est impossible. Ça n'est pas vrai. C'est vous qui avez mis ça là et vous le savez. Vous avez le droit de garder le silence. Et vous avez le droit de prendre un avocat. Je ne vous crois pas. C'est vous qui l'avez apporté. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous par le tribunal. Ça fait partie du même complot, hein, bande de fumiers. Eh, doucement, dis donc. Écoutez, c'est pas nécessaire de mettre les notes. Mais si, monsieur Caulfield. Il y a des charges très sérieuses contre vous. Ne les alourdissez pas par une résistance inutile. C'est un coup monté. Doucement. J'arrive pas à le croire. Salut, Caulfield. Ça me fait plaisir de te voir. C'est bien ce que dit Robert Mitchum dans le film Humphrey Bogart. À James Stewart. Oui, enfin, James Stewart, merci. Dis donc, Scoop, je ne peux pas continuer à te sortir du pétrin. J'ai la direction sur le dos. Je ne sais pas combien de temps je pourrais les tenir. C'est bien ça? C'est ça. Faux. Je te sors de là pour ne pas avoir d'ennui à la télévision. Caulfield, tu as la poisse. Je ne peux même pas t'envoyer pour un chien écrasé. Tu vas te faire écraser toi-même. Et encore, tu trouveras le moyen d'en être responsable. Alors, salut, Scoop. Tu es viré. Oh, que j'aime ces mots-là. Je les aime tellement qu'il faut que je les répète. Tu es viré, foutu à la porte. Oh, que ça me fait plaisir. On le dirait pas, je vous assure. Eh bien, Scoop, détrompe-toi, je m'en fous royalement. Et tu vois, je te l'avais dit, quand tu me parles de la condition pénible du journaliste solitaire, je te dis d'aller te faire foutre. Quand tu me parles de partager ta vie passionnante, je te dis d'aller te faire foutre. Quand tu me dis qu'on t'a tiré dessus, qu'on t'a viré de ton journal, alors là, je réplique immédiatement. T'es malade, tête. T'as une sale tête, c'est vrai. C'est très gentil, merci. Y a pas de quoi. T'as trouvé ce que je t'ai demandé de chercher? Vers 1h du matin, j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste chômeur qui voulait que je lui trouve au milieu de la nuit toutes les installations militaires dans un rayon de 500 km autour de Houston. T'as une façon de t'exprimer bien à toi. Est-ce que tu as trouvé? Oui, mais ça n'a pas été facile. Ça a demandé d'épuisantes recherches. Bien, je suis fier de toi. Combien il y en a? Une seule. White Bluff Strategic Air Command. Mon père a été envoyé là un certain temps. C'est ça, tes épuisantes recherches? Réveiller son père à 1h du matin, c'est une chose épuisante. White Bluff, c'est trop important. Trop important pourquoi? Trop important pour ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais m'engager. Ils voudront pas de toi, idiot. Ben c'est pourquoi je vais aller m'engager.
Tu es sur un coup, Avoula. J'ai été mis à la porte. Oui, mais tu es sur un coup et moi, comme une idiote, je t'aide. Enfin, c'est impensable. Je sais, j'apprécie ta grandeur d'âme. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est que quel que soit le sujet de l'histoire, étant donné tes antécédents, ça va tourner au merdier. Le mot n'est pas trop fort. Allez, viens, je te fais un bon café et je t'autorise à me sauter. T'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres en dehors de White Bluff? Non. Non, sauf une base abandonnée, mais qui a servi pour l'entraînement pendant la dernière guerre. Jackson, il n'y a plus rien, là. Bon, alors tu veux pas me sauter? Mais si, je te saute. Où c'est, Jackson? Environ 500 km à l'ouest. Tu sais que tu commences à m'énerver, toi. Est-ce que t'as un peu d'argent dans ton sac? Et tu veux pas que je te paie, tout de même? Combien t'as? 100 $. J'aurais mieux fait de les laisser chez moi ce matin. Donne-les-moi tout de suite. Et d'avance encore, tu fais pas de complexe? S'il te plaît, et les clés de ta voiture? T'es formidable d'un seul coup, pourquoi? Parce que t'es pas si désagréable quand t'es emmerdé. Je te remercie beaucoup. Y a pas de quoi, Donjouan. Et puis Lise Allaire m'a dit que t'étais une affaire. Ah bon? Eh ben j'essaierai de te le prouver quand je reviendrai. Peut-être. Si je me fais pas arrêter de nouveau. Marché conclu.
Bonjour. Bonjour. C'est vous le patron? Vous voyez l'enseigne, là? Ouais. Bon, lisez-la. Je l'ai lu. À haute voix. A et A, service de pulvérisation agricole. Vous voulez savoir qui je suis? Je parie que vous êtes un DA. Lequel? Moi, je parie que vous ne saurez pas répondre, eh, gros malin. Le premier. Faux. J'ai droit à une seconde chance? Oui, allez-y. Vous êtes le deuxième. Faux. Le double A, c'est moi, A et A. Mon nom de famille, c'est Albin. J'ai un grand-fils. Et le second A était pour lui. Mais il a horreur de voler. Il a voulu devenir avocat, c'est de la perversité, je lui ai repris son A. Vous voulez parler à un des patrons, jeune homme? Vous parlez aux deux patrons. Mon nom est Caulfield. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Monsieur Albin, combien vous demandez quand vous traitez un champ? 25 dollars. Bon, alors je vous loue votre avion. Alors ça fera 100 dollars. Dites donc, vous venez dire que c'était 25 dollars? Ce prix-là, c'est pour traiter un champ et vous n'avez pas de champ, ça se voit. Vous n'avez rien d'infirmier, donc vous avez les moyens. Et je crois que vous êtes pervers. D'accord, voilà 100 dollars. 125. Pourquoi? Parce que vous avez dit d'accord à 100 un peu trop vite. D'où je déduis que 125, c'est dans vos moyens. Alors, où est-ce qu'on va, gros malin? Je sais pas exactement, je cherche quelqu'un qui s'est perdu. C'est votre pognon. Putain de tête que je puisse voir où je vais, nom d'un chien. Pourquoi vous n'êtes pas assis devant? Est-ce que tu sais piloter? Non! L'arrière, c'est le siège du pilote. T'as intérêt à baisser ta putain de tignasse, gros malin! Qu'est-ce que ton copain peut bien foutre? Il s'est égaré! Hé, hey, il a fait une banque ou quoi? Non! Moi, je veux un tiers. De quoi? Si on le trouve, moi, je veux un tiers du magot. Et laisse ta putain de tête baisser! Chercher dans une autre direction? Hé! Voir! Là-bas, regarde! Ça! Des hélicoptères!
Ça fait deux jours que je n'ai pas tourné dans le coin. Alors suivons-les, Albin. Oui, si je pouvais les voir. Descends là-bas, regarde! Putain de tête, nom de Dieu!
clavier avec ton pied quand je te le dirai, fiston. Mesdames et messieurs, Madame Brubaker, Madame Willis, Madame Walker, chers compatriotes, je suis ici aujourd'hui pour évoquer les espoirs inachevés et les rêves qui ne se sont pas réalisés. Charles Brubaker, Peter Willis et John Walker ont quitté cette terre pour matérialiser leurs rêves il y a un peu plus de 8 mois. Il ne leur a pas été permis de nous revenir. Leur rêve a pu croître et prendre forme grâce au soutien de millions de citoyens de tous les États. À une époque où le cynisme était devenu un mal national, ils nous ont donné un sujet de fierté. Nous ne saurions permettre que ce rêve meure. Une nation est bâtie sur le moral des hommes et des femmes qui la composent. C'est à la manière dont une nation réagit en temps de crise qu'on reconnaît sa grandeur. Les seules limites à ce que nous pouvons mener à bien sont les limites que nous donnons à nos espoirs. Ces 3 hommes ont rappelé à tous que nos espoirs ne connaissent aucune limite. Il y eut un moment, ces jours derniers, où nous formions tous un seul bloc. Tous, nous espérions. Tous, nous nous sentions un peu plus grands, un peu plus fiers. Tous, nous ressentions les mêmes angoisses et le même enthousiasme profond. Ces 3 hommes nous ont rapprochés. Nous savions ensemble qu'il n'y a aucun but que nous ne puissions atteindre si nous luttons ensemble pour l'atteindre. Il ne nous reste aucune possibilité d'exprimer notre reconnaissance aux hommes eux-mêmes, puisqu'ils ne sont plus parmi nous. Mais nous pouvons maintenant honorer leur mémoire.